Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Catol TV, notre télévision préférée, nous allons ensemble parcourir en cette semaine sainte les différents textes qui nous sont proposés pour le jeudi saint, jour de la commémoration de la célébration de l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. À travers ces textes, nous verrons comment, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a voulu renouer l'alliance avec les hommes. Dieu a voulu sauver l'homme. Dieu a toujours voulu faire route avec l'homme. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, les versets 1 à 8, puis les versets 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Nous venons d'écouter ce beau passage du livre de l'Exode qui nous parle de l'origine de la fête pascale, de la Pâque juive. La Pâque juive appelée Pessah. Appelée Pessah en référence à un événement phare. L'ange de la mort qui passe au-dessus de la maison des fils d'Israël, parce que cette maison est marquée par le sang de l'agneau. C'est là qu'on tient l'origine de Pessah. Passage, passé au-dessus. L'ange de la mort qui voit que le sang de l'agneau, l'agneau qui est signe de l'innocence, et le sang qui est signe de la vie,
qui a donc de la vie à cet endroit ne peut donc pas communier avec ce lieu qui ne lui est pas proche. Alors il passe au-dessus pour aller frapper les premiers-nés d'Égypte. Ce sang de l'agneau est signe de la protection du peuple d'Israël, signe du mal auquel ils sont épargnés. On peut déjà voir se dessiner le sang de l'agneau qui nous sera donné dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, qui par son sang versé sera l'agneau de la Nouvelle Alliance qui va épargner le monde du drame de la mort. Dans ce récit, on voit aussi déjà l'élément qui nous parle de la libération du peuple d'Israël, le peuple qui mange des pains sans levain, que le juif appelle matza, et le levain qui renvoie à l'intervention de l'homme dans le processus du salut, à l'orgueil de l'homme qui pense être sauvé par ses propres forces. L'absence de levain dans le pain signifie la pureté. L'absence de levain dans le pain signifie la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, car le pain sans levain est tout plat. Donc, c'est signe que le salut d'Israël, sa libération, sera fondée en Dieu et non dans les forces des Israélites. C'est pourquoi, pour commémorer la Pessa, la Pâque, le Juif mange des pains sans levain. Son salut n'est pas le fruit de ses propres forces, mais c'est le fruit de l'action du Très-Haut. Et un autre élément est intéressant dans ce texte. On mange le pain sans levain mélangé à des herbes amères. Les herbes amères, appelées maror, rappellent l'amertume qu'a été le temps de l'esclavage. L'esclavage en Égypte a été un moment difficile pour le peuple d'Israël. Et pour se rappeler ce moment tragique et difficile, cette souffrance, alors le juif mange le pain sans levain mélangé aux herbes amères, signe de l'amertume, la souffrance, la difficulté, afin qu'il n'oublie jamais que ce n'est pas par ses propres forces qu'il est sorti de sa difficulté, mais c'est le fruit de la volonté de Dieu. C'est le fruit du Seigneur qui s'est montré fort et qui a combattu pour lui pour qu'il puisse obtenir le salut. Le salut n'est pas le fruit de ses propres forces, mais le fruit de la volonté du Très-Haut. Pessa nous rappelle donc, en guise de commémoration et d'événement salvifique, que dans toute difficulté, il faut compter sur Dieu. Et que notre salut n'est pas le fruit de nos propres forces. Notre salut est le fruit de la bonté et de l'amour de Dieu. Or, très souvent, en des situations où nous sortons des difficultés, nous tournons le dos à Dieu. Ne dit-on pas que la reconnaissance a la mémoire courte. Pessa est un événement qui rappelle à l'homme que Dieu est au centre de sa vie et que sans lui, il ne peut rien faire. Psaume 115. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui,
devant tout son peuple. Il s'agit ici d'un psaume d'action de grâce. La situation d'un homme, ou encore, comme on parle de revêtement, la situation d'Israël, qui est traduit ici par cet homme qui élève la coupe du salut. C'est quelqu'un qui vit un danger, une difficulté, une situation où il est convaincu qu'il peut ne pas s'en sortir. Il est presque voué à la dérive. Alors il fait un vœu au Seigneur. Si tu me sauves, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Et dans la partie que nous avons écoutée, nous sommes déjà dans la reconnaissance. La reconnaissance que les bienfaits qu'il a obtenus ne viennent pas de ses propres forces, mais une fois de plus, ses bienfaits viennent de Dieu seul. Alors, comme c'est Dieu qui en est l'initiateur, que faut-il faire? Il faut donc se tourner vers celui qui nous a sortis des difficultés, du danger. C'est tout le sens de ce que nous avons entendu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Cette invocation qui signifie que ce salut ne vient que de Dieu seul. D'où cette action de grâce. Le psalmiste tient sa promesse. Il va donc au temple de Jérusalem pour offrir ce sacrifice d'action de grâce. Cette action pouvait attendre 2 ou 3 mois. Ça dépendait de la zone où il se trouvait. Mais puisque le sacrifice d'action de grâce devait se dérouler à Jérusalem, il fallait qu'il se rende à Jérusalem avec sa famille et ses amis et ceux qui craignent Dieu pour ensemble rendre grâce à Dieu. Il tient donc sa promesse en offrant le sacrifice d'action de grâce au Seigneur. C'est donc un psaume qui invite à reconnaître une fois de plus les bienfaits du Seigneur, mais surtout à partager avec les autres ce que Dieu a accompli de merveilleux dans nos vies. Ne pas garder pour soi ce que Dieu réalise dans nos vies, car cela peut servir de témoignage pour les autres, et aussi aider ces derniers à garder foi au milieu des difficultés. Car quand on compte dans le Seigneur, aucune situation ne demeure impossible. L'impossible devient possible quand on croit au maître de l'impossible. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons là le plus ancien récit de l'institution de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament avec Paul. Nous avons ici ce qu'on appelle la tradition par narration. Saint Paul qui relate ce que Jésus a fait le soir où il était livré. Il le dit si bien. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. Saint Paul fonctionne comme le rabbin. Le rabbin transmet une tradition. Il transmet une manière de faire réservée à sa communauté d'appartenance.
Et c'est ce que Saint Paul est en train de faire. Il transmet fidèlement ce qu'il a reçu. C'est ce qu'on appelle la tradition vivante. Transmettre ce qu'on a reçu d'un maître, de maître à disciple. De manière à ce que le disciple puisse également mémoriser l'enseignement qu'il a reçu de son maître et qu'il est appelé lui-même à transmettre de génération en génération. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Le sacrifice du Christ transmis par les apôtres nous est donné aujourd'hui. Et les prêtres, comme de tradition, perpétuent le sacrifice eucharistique tel que reçu depuis la tradition des pères. Saint Paul commence par nous décrire ce que Jésus a fait la nuit où il était livré. Le Seigneur Jésus a pris du pain et il a rendu grâce et il le rompit. Il fonctionne comme dans la Pessa juive, comme dans ce qu'on appelle le Seder, l'ordre de célébration de la Pâque. Dans cet ordre, il y a cette parole de bénédiction qui est prononcée sur le pain. C'est ce qu'on appelle le moti matin, c'est-à-dire la parole de bénédiction qui est prononcée sur le pain, pour reconnaître que le pain n'est pas le fruit des forces de l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, il tient le pain de Dieu. Et comme il tient ce pain de Dieu, il doit donc rendre grâce à Dieu pour le pain qu'il a reçu. C'est le sens de cette prière, de cette bénédiction appelée moti sur le matin, sur le pain, pour remercier Dieu des bienfaits qu'il accorde à l'homme en dépit de sa condition fragile et de pécheur. Mais là où Jésus va inaugurer, va transformer les choses, il va révolutionner, c'est que ce n'est plus simplement du pain, mais désormais, il s'agit de son corps qui est donné pour le salut des hommes. C'est là où Jésus opère la révolution. Il ne s'agit plus d'une simple commémoration de la sortie d'Égypte, mais il s'agit désormais de la sortie du Fils qui se donne pour le salut des hommes, le pain qui devient le corps du Christ. Et il fait la même chose avec la coupe de bénédiction, comme dans la culture juive, le kiddush. Cette parole qui est prononcée sur la coupe de bénédiction et dans l'ordre des célébrations de la Pâque appelée Seder, c'est la première étape, la bénédiction prononcée sur la coupe de vin qu'on appelle le kiddush et qui signifie la fécondité, la prospérité dans la vie des hommes car le vin est signe de joie. C'est pour manifester la joie qu'est la Pâque. Mais cette joie est désormais rapportée à Jésus-Christ. C'est désormais cette coupe qui renvoie au sang du Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Il parle de la diatekekain. Il s'agit d'une alliance qui n'est pas une mise à jour, mais d'une alliance inédite. Cette alliance est basée sur le don du sang du Fils de Dieu. Le sang qui surpasse le sang des animaux. Car le sang des animaux était un sang où il fallait retirer à chaque fois le sacrifice. Mais le sang du Christ, qui est le sang du Fils de Dieu, opère une alliance nouvelle dans la qualité du don. C'est le Christ qui se donne et son sang crie plus fort que tous les sangs. C'est le sang de la réconciliation perpétuelle. C'est le caractère inédit de l'alliance qu'inaugure Jésus-Christ dans le don de son sang. Dans le don du sang du Christ, à travers la présentation de la coupe, signifie désormais l'entrée dans cette prospérité perpétuelle à laquelle Dieu nous appelle et qu'il nous donne. Donc chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ, à travers les espèces du pain et du vin, à son moment donné, nous recevons la bonté de Dieu, mais nous recevons aussi la plénitude de la vie. La prospérité nous est
donné. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de participer à la célébration eucharistique. Et Paul termine en disant qu'il faut perpétuer ce sacrifice. Faites cela en mémoire de moi. Le sacrifice du Christ doit être poursuivi. C'est ce qu'on appelle l'ordre de réitération. Jésus donne le mandat à ses apôtres de perpétuer ce sacrifice. Il donne cet ordre de réitération de ne pas cesser d'offrir le sacrifice du Seigneur. Et c'est ce, une fois de plus, qu'accomplissent les prêtres dans l'Église. Ils perpétuent le sacrifice du Christ. Et cette mémoire n'est pas un simple souvenir, mais elle est véritablement une actualisation du sacrifice accompli par le Christ. Chaque fois qu'est offert le sacrifice eucharistique, c'est véritablement Jésus qui, chaque jour, à nouveau, se donne comme au Golgotha dans son corps et dans son sang. C'est donc une manière de nous donner de croire véritablement à la présence réelle du Christ dans les espèces du pain et du vin. Jésus s'offre chaque jour pour nous. C'est pourquoi nos communions ne doivent pas être des communions sacrilèges. Nous devons, de la même manière qu'il se donne pour nous, le recevoir aussi en tout amour, le recevoir dignement, car c'est toujours Jésus qui vient à nous, qui s'offre à nous. Donc, nous devons être à disposition de le recevoir avec toute la passion, tout l'amour à travers un tel sacrifice. Que le Seigneur donne donc à chacun de recevoir véritablement Jésus-Christ dans les bonnes dispositions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se leva de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Nous sommes dans la seconde partie de l'évangile de Jean, qu'on appelle le livre de l'heure. L'heure où Jésus doit manifester sa gloire. L'heure où Jésus doit se donner pour le salut de l'humanité. Et l'évangéliste Jean
décrit bien ce don. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Belle phrase, aimer. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le verbe aimer, agapao, signifiant un amour qui va jusqu'au sacrifice de soi pour le bien-être des autres, sans attendre rien en retour, un amour désintéressé, un amour sacrificiel. Mais cela se traduit le plus par jusqu'au bout. Le jusqu'au bout employé ici, telos en hébreu, en grec, est le même terme qui revient à la fin de l'évangile quand Jésus est sur la croix. Ce même terme grec revient quand Jésus est sur la croix, mais cette fois-ci dans une forme verbale appelée le parfait. Te telestai, Jésus dira, c'est achevé. C'est achevé, c'est terminé. L'envoyé de Dieu a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Sauver l'humanité par l'amour manifesté. Jésus qui vient sauver l'humanité par amour de son Père. On se souvient de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc là, à travers ces mots introductifs, se manifeste déjà le don de Jésus-Christ par amour pour les hommes. L'amour de Dieu révélé en son envoyé qui vient sauver tous les hommes. Et cet amour, Jésus le traduit à travers un geste tout simple. Il lave les pieds de ses disciples. Il quitte son vêtement. Le vêtement qui renvoie ici à la personnalité de Jésus. Quitter son vêtement, c'est quitter son honneur. Quitter son vêtement, c'est quitter sa dignité. C'est faire preuve d'humilité. C'est s'abaisser. C'est pratiquer l'abaissement de Dieu qui se fait tout petit pour élever l'homme. Jésus qui s'abaisse et qui se met à laver les pieds de ses disciples. En contexte palestinien, on sait que l'environnement de la Palestine était marqué par des endroits poussiéreux, des endroits insalubres. Et donc, quelqu'un qui avait marché longtemps, quand il arrivait chez quelqu'un qui l'accueillait, dans un hôte qui était invité, on lui remettait d'abord de l'eau pour laver ses pieds, parce que ses pieds étaient sales. Laver les pieds d'un invité, c'était manifester son affection, son attention pour cette personne. Laver les pieds, c'était signifier que celui qu'on reçoit est un invité de marque pour qui on a une grande estime, parce qu'il vient avec des pieds poussiéreux. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est signifier qu'il aime véritablement ses disciples, qu'il les aime au point de s'abaisser, qu'il les aime au point d'abandonner sa condition, au point de devenir humble devant eux. Jésus montre donc un exemple. Il pratique l'amour. L'amour qu'il donne est aussi l'amour que devra manifester ses disciples. C'est donc le passage de l'amour donné à l'amour reçu. Les disciples reçoivent l'amour. Jésus leur donne son amour. Ils reçoivent et eux aussi sont appelés à donner cet amour. Et Jésus le traduit si bien dans l'évangile que nous avons écouté. S'il lave les pieds de ses disciples, c'est parce qu'il veut aussi qu'il soit toujours en communion avec lui. Mais Pierre, n'ayant pas compris le message de Jésus, ne veut pas que Jésus lave les pieds parce que c'est un travail réservé aux esclaves. C'est un travail réservé aux gens que l'on méprise. Mais Jésus se fait l'esclave
de ses disciples pour montrer en exemple que celui qui dirige, celui qui est le maître, doit apprendre à devenir le serviteur de tous. On est véritablement maître que lorsqu'on se met au service des autres. Un dirigeant digne, un dirigeant bon, c'est celui-là qui veille au bien-être de ses sujets. C'est celui-là qui veille au bien-être de sa population. Voilà ce que Jésus traduit ici. Mais Pierre n'accepte pas cela. Et Jésus de le rassurer. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Cela rappelle dans l'Ancien Testament la communion du grand prêtre avec Dieu. Pour communier avec Adonai, il fallait que le grand prêtre se purifie pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, pour pouvoir entrer dans la demeure de Dieu. Donc, pour que Pierre soit en communion avec le Saint des Saints qu'est Jésus, avec le nouveau temple, alors il doit accepter, il doit se laisser purifier pour avoir accès, pour avoir cet accès perpétuel à Dieu. Cet abaissement de Jésus traduit déjà ce que nous verrons dans l'Eucharistie. Ce Dieu lointain, Jésus qui se fait prisonnier de son amour à travers sa présence dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est signe de l'humilité, de l'abaissement de Dieu. L'Eucharistie qui est signe de ce Dieu qui se fait fragile, qui se laisse toucher par l'homme pour l'élever. Jésus le traduit en lavant les pieds. L'humilité de l'Eucharistie est révélée dans le lavement des pieds. L'Eucharistie devient donc le sacrement de l'humilité, le sacrement de l'abaissement. C'est pourquoi chaque fois que nous communions au corps du Christ, cela doit cultiver en nous l'humilité. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, cela doit nous amener à véritablement nous mettre au service des autres. L'Eucharistie est le sacrement du service. Être au service des autres, être proche de ceux qui ont besoin de nous, être proche de ceux qui ont perdu le sens de la vie. Que ce joli saint soit donc pour nous l'occasion de redécouvrir que l'Eucharistie est sacrement de service. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.